Sherry, fun to drive. Toute la semaine puis bien commencer. En tout cas, nous, on est prêts pour cette nouvelle émission de Fais un vœu. Je crois qu'on est arrivé à l'épisode 9, si je ne me trompe pas. Et là, aujourd'hui, vous êtes une anniversaire pour organiser. Aïe! Nous ne m'arrêterons pas. On est surtout dans un rush parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à préparer, organiser, etc. avant le moment fatidique de tout à l'heure de l'anniversaire. Attends, avant de cause tout ça là, check vidéo, les enfants qui me sélectionnaient, ça c'est maintenant. Allez, c'est 4 ans, la vie à Kakobon. Je veux Superman, Wakanda, Spider-Man, après Batman, après Hulk. Là les amis. Je vous présente, je suis Frédéric Migal. Charlène Migal. Nous sommes les parents d'Alexime. Alors, pourquoi choisir Alexime? Ben, bientôt, il a 5 ans. Et le 20 novembre, il a 5 ans, et nous sommes qui Radio One fête l'anniversaire. Et en ce moment, il est très passionné, fasciné avec Ban super-héros. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est Alexime qui a été tiré au sort cette semaine-ci. Li Pégin, 5 ans, Zordi, là, aujourd'hui même. On a calé notre tournage en conséquence, spécialement pour lui. On commence cette belle journée d'anniversaire avec un shopping d'anniversaire, s'il vous plaît. Attention, et pas n'importe où, dans Cœur de Ville, Super U à Grand B. Et bien, on va chercher tout ce qu'on a besoin pour l'anniversaire. Allez, next week, vous êtes venus. On récupère un petit panier. Je ne sais pas si le petit panier sera suffisant. Moi, avec Mani, je vous ai dit, nous tous les deux, nos parents, vous êtes. On a déjà organisé des anniversaires d'enfants. Donc, on est rodés, je pense. Mani, je peux qui rayon de commencer Rayon BFD, direct. Ouais, direct. Allez, direct, rayon BFD. Ok, on est arrivé au rayon anniversaire. Nous checkons un coup de qui nous capable prendre. Attention, on a une décoratrice pour la journée, donc on n'a pas besoin de prendre tout ce qui est déco vraiment. Bougie, le gâteau pardon, est préparé aussi par les parents, et ramené par les parents, mais on va quand même emmener un petit gâteau pour eux. Bon, on m'arrête de causer, négativement choisir c'est qui bizarre aujourd'hui, ok? Allez. Allez, ok, on a eu des petits sifflets, on a eu aussi des chapeaux d'anniversaire. Bon, surtout nous pédine route manger, hein. C'est surtout ça là, un tas snack, c'est moche, malo, les gummies, tous les trucs que les enfants adorent manger pour les anniversaires. Et bien aujourd'hui, on est là pour trouver ça à Super U de Grand B. Allez, venez. Ok, rayon sucrerie, on a trouvé des moches malo, vous êtes hyper primordial pour bon anniversaire enfant. Et bien justement, ben, la moque U propose du moche malo, donc nous prend un paquet moche malo. Qu'est-ce que les enfants aiment manger encore à niche? Chocolat. Attends, les gummies. Les gummies aussi. Allons voir si on prend peut-être deux petits paquets de gummies. On prend ça. Hyper important, nous on a une piñata, vous êtes offert par Fantasia aujourd'hui. Et on a besoin de remplir cette piñata. Attention, surtout ne pas oublier de prendre des bonbons. Allez, go! Ok, donc là, on a eu tout ce qui est sucrerie, les gars. On a fait le stock, on va dire, pour la journée. Là. Maintenant, on passe au rayon salé, qui dit anniversaire, dit chips à grignoter, vous êtes. Et là, on va récupérer peut-être 2-3 paquets différents. On a un maxi format, nous avons pas mal du même pévini pour ça l'anniversaire. Là. Donc, un chips à l'ancienne, ça je prends. Super sympa, peut-être... Ouais. Allez, un vert, un rouge. Je crois que c'est bon pour les chips. Always a good idea. Même moi, maintenant, je mange encore ça, vous êtes. Donc ça, on prend. Ok, c'était la mopée réalisée que tu devais prendre un caddie parce qu'on n'a pas encore pris les boissons et que mon panier, il est déjà rempli, les gars. Bon, ben, allez, nous frappe dans la main, mais non, allez. Non, allez, nous essayons. Rayon boisson. Rayon boisson.
crayons boissons. Qu'est-ce que les enfants aiment boire? Sucré, doux, coloré. On est d'accord? Esquie, amande, aïe, ça là, pendant l'été vous êtes. Je dis peut-être un Fanta, un Coca, un Sprite, un esquie. On dirait un de chaque, non? On a besoin d'eau aussi. Ok, j'ai besoin d'Acadie maintenant. Qu'est-ce que je fais? On dirait vos papes dire fait cause. Aïe, allez, on va déposer ça toujours à la caisse. Oui, je sais. Tu m'aides psychologiquement, allez. Allez, je peux le faire. Je peux le faire. Come on, yes. Pourquoi, quand tout est à notre disposition, on n'utilise pas? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Là, ce qu'on va faire, on va prendre aussi un petit peu d'eau. Au cas où, on dirait au moins... Au moins une bouteille d'eau, quoi. Allez, au moins une bouteille d'eau. Allez, come on. Ok, vous êtes salé, sucré. On a aussi pris des cups qu'on avait oublié un petit peu plus tôt. Beaucoup de boissons ici dans un autre petit panier qui est là, qui roule. Mais là, on se retrouve dans la partie pâtisserie et boulangerie où il y a O Bakery, ben, qui font de super gâteaux ici. On récupère aussi un gâteau d'anniversaire, même si les parents en fait vont ramener leur propre gâteau. Et ben super, il veut quand même offrir un gâteau à Alexime aujourd'hui. On choisit la génoise chocolat. Qui te dit Maniche? Ça paraît super bon ça. Limite, tu as envie de mettre ton doigt dedans et fait. Allez, ben direction la caisse, vous êtes. On est super pressés, on est déjà en retard. Allez, go. Ne moche pas vite pour faire tomber le gâteau, Estelle. Allez. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va? Allez, vite, en vitesse. J'ai l'impression qu'on a pris pas mal de trucs quand même, hein? Alors Super U nous a donné libre champ aujourd'hui de choisir tout ce qu'on voulait pour l'anniversaire d'Alexime, donc on est bien contents. Alors vous êtes, nous la met bien remplie, comment se fait trouver nous bonne sac U, et on a Mélissa qui est avec nous, qui ramène le gâteau de O Bakery. Merci Mélissa, c'est toi qui as tout organisé aujourd'hui. Donc je suis sûre que Alexime et ses copains et toute la famille, ben, ils seront super ravis avec tout ce qu'on a pris aujourd'hui chez toi. Avec le gâteau surtout de O Bakery. J'avoue que même moi, je voulais ouvrir et passer un petit coup mon doigt. Tu sais, quand tu vois un gâteau au chocolat, là, tu peux pas résister. Ben, c'est un peu ça, quoi. Vous êtes direction. Ben, maintenant, on va chercher un petit cadeau et on va se changer aussi chez Gémeaux tout de suite. Merci, Mélissa. Avec plaisir. Ben, gros bisous. À bientôt. Bien entendu, on a besoin de se changer pour la journée et récupérer un petit cadeau également pour Alexime. Et ben, déco de Noël déjà installée dans le Nord, direction le magasin de Gémeaux qui est juste devant. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ça aujourd'hui. Par rapport à l'endroit où on va partir fêter l'anniversaire d'Alexime, c'est le trou du basket. Tada! Bon, on va être pressé. Allez, allez, on se change. Alors moi je me suis changée, full outfit Gémeaux, chaussures, petit haut, petit animal print pants aujourd'hui. On est aussi venu chercher un petit cadeau pour Alexime, bien sûr c'est son anniversaire. À ce qui paraît, il est beaucoup plus costaud qu'un enfant de 5 ans. Donc ben, on va prendre un petit shot et un petit t-shirt pour lui. Voilà, on a eu ça. Trop cute. Et j'ai repéré un petit t-shirt. On va prendre un 8 ans pour lui. Comme ça au moins, même si c'est vaut mieux trop grand que trop petit, n'est-ce pas Maniche? Vaut mieux ça, non? Du coup, arrêtez après. Allez, go! Voilà,
Bah, super, merci beaucoup, merci. Bon, j'en ai profité pour faire un petit peu de shopping pour moi aussi, mais c'est surtout ça qui est important, là, le petit sac d'Alexis. Merci beaucoup, bah, on se revoit la prochaine fois. Merci, bye bye. Direction Vida et Café pour prendre un petit truc à grignoter et surtout à boire parce qu'il me fait soif. Allez, let's go. Ah ben on est ravis d'être là encore comme d'habitude avec ça. Alors on va prendre deux chicken mayo toasty, un pour manish, un pour chalet. Et un frio litchi à bord. Est-ce qu'on chauffe sur place? Je vais manger tout de suite ça. Wow, la voiture. Allez, chauffe. Ouais. On va prendre cette boisson là aussi et pour moi je vais prendre un fresh green. Très faim. J'ai pas pris le petit déj, hein, donc là j'ai une belle faim. Ouais. Comme d'habitude, banana bread que j'adore. C'est doux? Oui, vous c'est avez doux. Deux toasties, poulet mayonnaise, un appetizer, un fresh green, un litchi apple frio, un banana bread et un baguette de smoked bread. Ça même. Il est là. Merci. Merci. Le frio. Ouais. Le banana bread, baguette. Super. Et deux toasties. Ah yo, mais qu'est-ce que tu as donné là? Un petit muffin blueberry. C'est pour Alice. Petit cadeau encore pour lui. Bon, entre mon sac chez moi, mon sac de Vida, moti la boisson ici pour moi et Manish, me la mets bien remplie. Alors, moi, speak zut. Nous, l'équipe Incassé en désordi. Manish et Manish dans le nord, bien dans le nord, bien comme il faut. Et Chalem est déjà dans le sud. Côte l'anniversaire pour désordi, vous zut. On a eu un super bel endroit qui nous accueille pour la journée. C'est la Vanille Nature Park. Chalem est déjà sur place avec Sarah de Coca's Picnic. Mais, check and cook qui va l'appeler. C'est top préparé pour vous. Là, nous, check and cook. Allez! Bonjour l'équipe Coca's Picnic. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Prêt pour la journée aujourd'hui? Je ne parie pour découvrir ça, c'est l'anniversaire là. Allez, suivez nous. Allez. Un petit coucou à l'équipe La Vanille aussi. Showroom de Thierry Mauritius où on découvre tout de suite la belle bagnole qui va nous accompagner. Vous êtes la Tiggo 7 Pro aujourd'hui. Bon, comment se trouver Manish, papa, aide-moi, dis tout. Guette-moi ma lame et comment remplir. Pourquoi tu m'aides pas, Manish? C'est la caméra. C'est un prétexte. Bon, allons mettre tout ça dans le box. À ce qui paraît, quand on ouvre sa box, il y a ses particuliers. Il y en a 5 façons ouvert box Tiggo 7 Pro. Ah, je récupère mon souffle en essayant de ne pas postillonner sur Manish. Alors, on m'a dit, la clé dans ma poche là, hein, que quand tu t'approches de la voiture a déjà détecté la clé qui est dans ma poche et je fais un pas en arrière. Ah! Et le box est ouvert, les gars! Ah, j'adore! Tout ce qui me facilite la vie, je vous comprends que j'adore parce qu'ils me paraissent et que j'aime la facilité. Comme tout le monde, non? N'est-ce pas? Ou c'est juste moi ça? Alors, cette voiture a énormément d'espace qui est idéal pour notre journée d'aujourd'hui parce qu'on a énormément de trucs à ramener. Ok, le gâteau commence à fondre et je commence à paniquer un petit peu parce qu'il nous faisait rouler pour aller dans le sud. Là, vous êtes la vanille, fou, on a au moins 45 minutes de route là. Hein. Mais regardez, tous mes sacs sont rentrés et... Et ben voilà, aussi facile que ça, j'emmène le petit gâteau devant. On va vous parler de la Tiggo 7 Pro, bien sûr, durant la journée. Vous pouvez venir nous, vous pouvez voyager avec nous jusqu'au sud, à l'île Maurice.
et ben reste avec nous pour découvrir la Tigo 7 Pro. Allez, on y va tout de suite. Alors, on est avec Ivan de l'équipe de Cherry Mauritius. Je vais poser la question, qui s'en a qui prépare le tout avant de venir? Ben, Ivan fait partie de l'équipe. C'est lui. Entre autres, il y a une grande équipe chez Cherry. Alors, vous trouvez-vous là, mais pas vide, qui fait? Alors, Estelle, l'équipe de Cherry est ravie d'être à Alexis. Ouais. De tickets cinéma, où il y a Enjoy. Donc là, vous avez voulu moquer le coup. On n'a pas que la voiture aujourd'hui pour rouler, ça veut dire que nous gagnons des billets cadeaux pour Alex Sims Audi. Je vais essayer de ne pas voler les billets pour qu'il me mette mal profiter. Non, c'est faux. Dès qu'on arrive là-bas, ben, on remettra ce joli petit cadeau. Merci pour la pensée en tout cas. Et merci à l'équipe de Cherry Mauritius. Bien gâté aujourd'hui, pas tout coup de nous passer, nous gagnons un petit cadeau. Merci beaucoup Ivan, on te ramène la voiture tout à l'heure. En attendant, on peut le tester. Allez, merci, bisous. Vous êtes toutes les Tigo qu'on vous a présentées, et ben sont équipées d'intelligence artificielle. Vous pensez que tu mentionnes ça pour premier l'auto de Cherry Mauritius qui nous fait cette découverte. Et ben on a Cherry qui est ton assistant personnel dans la voiture. Tu as des manistes qui t'ont envie et du coup fais du pour toi. Par exemple, Dali, hello Cherry. I'm listening. Open sunroof. You're driving pretty quickly. I'll open it by half. Il finit, tiens, moi, je roule un peu vite, toujours en respectant les limitations de vitesse, bien sûr. Mais il dit, moi, il roule la moitié, chose que Cherry fait tout de suite, sans plus tarder. Ça, c'est quand même impressionnant, parce que sans avoir à appuyer sur aucun bouton, avec uniquement ma voix, eh ben, j'arrive à contrôler la voiture avec l'aide de Cherry. Hello, Cherry. Yes, I'm here. Close sunroof. Closing the sunroof. Et ben voilà, c'est comme pas magie. Cherry nous accompagne. Donc là, on a la Tigo 7 Pro aujourd'hui qui est là avec nous. Moi, direction le sud. On va à Rivière des Anguilles, les amis, pour l'anniversaire d'Alixim. Sa maman Charlène et son papa également ont été nos complices pendant, ben, pendant au moins 3 semaines, je crois là. Au moins 3 semaines. Nous sommes très contents qu'il nous bécave tourne sa émission là sur l'anniversaire à Alixim. Il y a à peu près une dizaine d'enfants, donc ses amis, ses cousins, etc., qui vont venir nous rejoindre aux alentours de 13h30. Et on a également ben, les parents qui seront là, vous pensez, grand-mère, ma tante, peut-être les parents des enfants qui sont invités, etc., qui vont nous rejoindre au baby-sat dégazé un peu, mais toujours en respectant la limitation de vitesse, ne vous inquiétez pas, pour ne pas être en retard et arriver avant eux, pour voir si le setup de Cocasse Picnic est déjà complet, pour voir si l'équipe justement de la vanille eh ben, est déjà prête avec tout ce qu'il faut, je suis sûre, sans aucun doute. Et merci en tout cas à tous les partenaires qui ont rendu cette émission possible et qui chaque semaine nous accompagnent sans faute pour qu'ils nous cassent fait plaisir, pas d'enfants, ben gros cœur sur vous. Et moi j'ai envie de dire aussi, n'oubliez pas que l'équipe de Cherry Mauritius eh ben, vous attend au showroom. C'est la 3e voiture qu'on vous fait découvrir, il y en aura d'autres bien sûr après, mais là voilà les 3 modèles de Cherry. Les Tigo qu'on vous a présenté dans l'émission Fait un vœu. Merci à l'équipe d'ailleurs qui nous a gentiment prêté une voiture chaque semaine pour qu'ils nous fassent un petit lito, pour nous faire pop-pom, pour nous faire plaisir à nos enfants un peu partout dans 4 coins de l'île Maurice. Et moi, j'ai envie de dire, pas oublier, vous êtes 10 ans de garantie. 10 ans de garantie sur le moteur ou 1 million de kilomètres et 10 ans de garantie sur la voiture ou 300 000 kilomètres. Franchement, si tu n'as jamais vu un Maurice, je vous conseille vivement d'aller faire un test drive comme nous par exemple. Ben voilà, on roule la voiture une fois la semaine et je peux vous dire qu'elle est hyper comme fille. Mais vraiment, ce petit cadeau mis là-dedans, comme ce petit cadeau mis là-dedans. Allez là. Bon, sinon, on va poser, nous concentrer l'eau la route, direction Rivière des Anguilles, La Vanille, Nature Pop pour l'anniversaire d'Alixim.
localisation puis montrez-moi qui dans 24 minutes nous paieront la vanille Nature Box. J'ai hâte de voir le setup de Cocasse. Cocasse pique-nique justement gentiment fait par Sarah aujourd'hui, ou joliment fait par Sarah aujourd'hui. Et Maniche, t'es supposée avec moi dans l'auto, mais aussi elle est bien précise à la route là, dans le sud, dans notre super voiture bien climatisée. Et en plus, il y a un truc moins top. Ça veut dire, il y a dual clim. Moi, si j'ai envie de mettre ma clim à 24 par exemple, parce que j'ai tout en froid, et ben à côté, le passager, il peut mettre à 18. Et chacun sa clim et tout le monde est content comme ça. Pas tous les débits gagnent chaud, pas tous les débits qui gagnent frais. Il y a toujours ce problème-là des fois. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais pour revenir à Maniche, du coup, il est parti chercher notre piñata, qui est un élément essentiel pour un anniversaire d'enfant, 5e anniversaire, surtout il faut manquer le coup. Et on est parti acheter nos bonbons ce matin chez Super U et Lina Rota, vite, vite, là. Il va nous rejoindre dans pas très longtemps dans le sud. Et si vous voulez découvrir, ben, qui nous a gentiment offert cette piñata, c'est un endroit magique aux alentours de Port-Louis. On découvre tout de suite cet endroit en images. Fantasia. Enfin, j'aimerais réussir à rentrer. J'aimerais réussir à rentrer et j'ai que 10 minutes de retard. Je suis marifiée de moi. Là, je suis même perdue. Vous avez passé le chemin. Enfin, bref, costez un coup de motif. Envie de montrer une affaire parce que j'ai pas allé du dual clim. Et ben, regardez ça. Tu as menti. Là, aïe là. L'autre personne peut avoir 25 par exemple et moi je suis à 19. Motif, envie de montrer ça de plus près. Sinon, comment ça se passe? Ça se passe bien à l'intérieur. Ça se passe bien, t'es une parée pour mettre un sac, tout ça là, parce que l'auto m'a rempli d'un box là, hein. Allez, correct. Ouais. Allez, j'éteins et j'arrive. Tout ça là. Ouais. Là aussi, une dégravée là. Ouais, on est passé chez Super U, on a fait notre petit shopping ce matin. Ouais. Ça veut dire un sac là bien lourd. C'est qui dans la boisson là, bien lourd. On a un gâteau devant, on a le sac d'anniversaire ici. Et moi, je vais ramener encore des trucs. Ah! Ton déjeuner. Et très ça, important. Merci. Ça, avec un petit lavoir, ça c'est pour toi. Je l'adore. Allez, je prends tous les sacs. On a le sac de Gémeaux que je prends. On a ça. Allez, let's go. Allez, on est ready, on y va. Alors, si je peux poser ta question, qui s'en a un gosse ou qui met une jolie chemise au lit là, c'est Nilesh. C'est notre contact person chez la Vanille. C'est toi qui as tout organisé aujourd'hui pour nous? Moi et Fabiola. Alors Fabiola, c'est vrai, on a été beaucoup en contact avec Fabiola aussi. Et bien on a hâte de voir ce que vous nous avez réservé. En attendant, on a terminé cette setup. Il faut dire que c'est quand même le tournage qui nous a demandé le plus d'organisation. Ah oui. Parce que ça fait je crois 3 semaines qu'on est dessus, on cherche les partenaires, organiser avec les parents, voir ce qui allait être proposé ici à la Vanille, etc. Le nombre de personnes à manger, à boire. C'était une très très grosse organisation. C'est comment nous pouvons organiser l'anniversaire? Ben nous, bons enfants en fait. C'était exactement ça. Mais c'était quand même fun, il faut le dire. Et nous pouvons être désodormis après ce tournage là. Voilà, deux jours de sommeil. Une petite visite. Ça va bien? Sarah, enchantée. Sarah de Cocasse Picnic qui est là depuis quelle heure? Depuis 10h. Ah ouais, attends, depuis 10h là, hein, Chalem l'a accompagnée. Bonjour, maman, tu bonne? Maman, c'était là. Maman, on l'a découvert. Mais vous nous ressemblez, Marie, beaucoup. Donc, Cocasse Picnic, c'est un business familial. Yes. Qui existe depuis combien de temps? On a commencé, bon, maman, elle est décoratrice depuis plus de 23 ans. Et Cocasse Picnic, on a mis nos idées ensemble et on a commencé en 2020. Eh ben franchement, en tout cas de ce qu'on voit là, c'est génial, on a hâte. Je vais commencer à installer des petits gâteaux, tout ça comme si. M'oublier gâteau dans la voiture, comme d'habitude. Voilà. Voilà, c'est tout à fait moi ça. Allez, on commence le setup. A few moments later. Alors, vous êtes
setup in pareil, mais surtout maintenant, très important, la famille est là. Et Alexis, il largue à dit trop mignon. Il est juste ici, il est juste ici. Bonjour. 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 Est-ce que je peux te refaire un bisou? Pas sûr. On n'est pas sûr du bisou là. Il m'a dit non, mais je vais essayer de l'avoir avec des gâteaux tout à l'heure. Je suis sûre que le bisou va passer à ce moment-là. Alors déjà, joyeux anniversaire. Papa, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Papa, allez, dis-nous un petit peu nom, âge et présentement la famille. Bon, on a son cousin, Abel, ouais. Grand-mère, marraine, tati, t'es ça, tonton Grégory. Maman. Maman qui est là, donc c'est Hélène. Avec le petit bébé Kynix. Et qui a 4 mois. 4 mois. Et on a grand-mère Thérèse. Donc grand-mère numéro 2. Ok. Et là, tu sais, cousine, tati, tu es là. Est-ce que ça te paraît pour passer une super la journée avec nous aujourd'hui là? Oui. Allez, ce qu'on va faire, on va rentrer, on va déposer toutes les affaires, c'est qu'ils ont amené, parce qu'on a travaillé en collaboration avec les parents. Il y a des choses qu'eux, ils ont ramenées, il y a des choses que nous, on a préparées, etc. Petit setup, Marie Cocasse, vous allez voir. Dès qu'on a déjà tout posé, nous, on va faire une utile et tout, on va faire la visite du parc. Right? On est good? Yeah! Okay. Bon, ben, on va prendre la star, comme si, la petite star de la journée qui boude un petit peu là. Allez, est-ce que là, tu vois? C'est ton anniversaire. Quel âge tu as eu là aujourd'hui? 4 ans. Tu es sûre que tu as eu 4 ans? Je sais que tu avais 4 ans hier, mais aujourd'hui, tu as eu quel âge? 5 ans. 5 ans? Mais là, tu es devenu un grand bonhomme. Et on m'a dit que tu aimais un super-héros. Quel super-héros que tu aimes? Wakanda. Black Panther? Tu es sûre? Allez, ben on va voir un petit peu le setup qu'on a préparé pour toi, alors. Allez, go! Alors, on est un petit peu en mode à la queue leu-leu, là. Toute la famille va nous souper vini, là, tout doucement, mais sûrement. On va déposer le gâteau, les snacks, plein de petits trucs que les parents ont ramenés, que la famille a ramenés. Alexim est resté là-bas avec son cousin. On ne veut pas spoil, bien sûr, la surprise pour lui et le petit setup et tout. On va l'emmener tout à l'heure quand tout sera prêt. En attendant, Noël, peaufine setup. Allez, venez! De ton fils, justement, Linga est 5 ans, Zoudi, là. Aujourd'hui, 5 ans. Aujourd'hui, comment il est? Il est timide, il est... Non, Alexime est plutôt amical, ouais. Actif, et il adore les armées. Et vous allez voir vous-même, il est très cosy. Pour le moment, là, on l'a vu, c'est toujours comme ça, encore voilà. Un petit peu timide, là. Ouais. C'est toujours comme ça, au début, dans Fais un vœu, en voilà. Fait, quand on rencontre les enfants, ils sont tous un petit peu timides au début, mais après... Ça déclenche. C'est bon, on voilà. Décolle et c'est bon, voilà. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'il aime faire, en général, hein? Il est sportif? Oui, en ce moment, on est inscrit dans le club de natation, avec ce joueur Capobon, et bon. Et il y va une fois la semaine? Une fois par la semaine, il est très actif avec toi. Ouais. Après, on va dire, après qu'on mange chose, je travaille, on fait un peu pas mal de foot, etc. On pratique parce qu'on ne trouve que des vacances. Hein. Ah ben oui, là, voilà. Ça c'est une traque pour un parent aussi, ça. Voilà, ça c'est des vacances. Parce que nous, il faut nous rappeler qu'on travaille toujours, mais qu'on voilà. A besoin d'entertainer nos enfants quand même. Comme d'habitude. Mais il y a des tatis, il y a des grands-mères qui sont là. Ah, en guillemets, pour 100% nécessaire, faire, voilà, pour nous supporter. Sinon, c'est sur un peu difficile. Est-ce qu'il aime bien, par exemple, dessiner ou chanter? Il avait fait un spectacle à son école. Quand on connaissait l'école de Bethléem, surtout il a fait un spectacle. Il était participé pour le système de musique pour comment ça s'appelle? Mauricien culture. Ouais. Il a fait prospect, Ravane, etc. Danse. Donc il oui. Tape Ravane tout? Oui. Non. Oui. Ah ben justement, en parlant du loup, attention, regardez qui est-ce qui est là. Avec Charlène, la maman. Salut! Est-ce qu'on peut voir ton outfit de plus près là? Oh là là, oh là 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 là. Je peux pas voir. J'ai vu là ton petit sac Superman. Eh bien, c'est Alexime. Alexime, on m'a dit que tu aimes bien causer, que tu adores les amis et que tu viens de commencer à faire la natation. C'est vrai, ça? Tu connais nager? Ouais, ok, allez, right. Bon, premier arrêt,
On a un guide pour la journée. Bonjour monsieur le guide, comment vous vous appelez? Moi c'est Linège. Alors Linège, c'est toi qui vas nous emmener faire un petit tour ici là. Qui te permet de nous guetter en premier, dis-moi. Alors la première chose, on va voir les tortues géantes. Les tortues géantes? Est-ce que tu as déjà vu les tortues en vrai? Allons voir les tortues et on va leur donner à manger. Toi aussi? Maman m'a dit, alors Charlène, tu m'as dit qu'il est déjà venu ici quand il avait quel âge? Il avait un an et demi. Un an et demi, donc il ne s'en rappelle pas vraiment là. Ah ben, on a hâte de vous être. Allez, on continue. Ben, pas on continue, on commence surtout notre visite ici à la Vanille Nature Park, direction les tortues. C'est trop mignon. C'est la Allez, vous faites un bisou, maître. Oh, il est cassé. Alexine, tu penses que tu pourras l'attraper? Mais avec l'aide de papa. Allez, tu fermes les yeux. Avec l'aide de papa. Alors, toujours un petit peu impressionnant de tenir un crocodile pour la première fois. On comprend tout à fait, Alexis. Merci. Viens à côté de moi. Allez, 1, 2, 3, sourire. Trop mignon. Là, on est en train de faire l'installation un petit peu du petit groupe pour avoir une photo de groupe juste derrière avec tous les cousins, cousines et les copains d'Alexis. Rapprochez-vous les enfants, rapprochez-vous. Waouh. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Cheese. Alexis, me regarde. Alors madame la photographe, est-ce qu'on a eu un bon shot? Oui, oui. Oh, trop mignon. Trop bien, trop bien. Ben, merci beaucoup. On a commencé avec la photo avec le bébé crocodile. Maintenant, direction vraiment, le pug des tortues. Allez, go. Alors, toute la famille arrive. Charlène, fatiguée là avec petit bébé ou pas? Fais comment? La visite vient de commencer là, attention. Alors, on va écouter le guide, il va nous donner les instructions et par la suite on pourra rentrer. Allez, dis-nous. Bonjour, bienvenue à la Vanille Nature Park. Bienvenue à la savane des tortues. Est-ce que vous savez qui est la plus grande tortue ici? Qui est la plus grande tortue? Il a quel âge? La plus grosse tortue. 100 Non. Plus? Oui. Plus? 100 Un million? 110 ans. Oh, 110 ans? Et est-ce que la tortue a un nom? Domino. Domino. Pèse dans les 275 kilos. Faut pas sauter dans ton cul. Non, il faut pas sauter sur la tortue, surtout pas. À cause, il va nous mouder. Il va nous mordre, tu crois? Oui. Oh là là. Nous apprenons, on met pas les mains devant la bouche. Alors très important, on ne s'assoit pas sur les tortues et on met pas les mains devant la bouche parce que sinon qu'est-ce qu'il va faire? Il va croquer nos doigts comme ça. Non, il va faire comme ça. Faut pas s'asseoir dans les tortues. Non, il va faire comme ça. Faut pas s'asseoir sur les tortues. Ben Alexis, mais est-ce que tu es prêt? Mais tout ça c'est trop gros pour toi là, il faut pas attacher avec les copains. Qu'est-ce que tu en penses? Tu gardes une seule branche pour toi et tu donnes aux copains? Oui. Allez, on va faire ça. On va donner une branche. Merci. À notre cousin ici, on va donner une deuxième branche. Il est très à notre lourd. Copain ici. C'est très lourd. Aïe, attrape fort. Attrape fort. On va donner un aux enfants qui derrière. Toi aussi, tu as une feuille. Moi, est-ce qu'il y a encore des enfants pour moi? Allez, tu gardes le plus gros pour toi. On y va. On vous laisse trouver les tortues que vous voulez nourrir. Il y a beaucoup là, regarde là-bas, regarde derrière là-bas. Ah, est-ce qu'il a faim? Oui, il a faim. Ah ben oui, regarde, il est en train de manger. Waouh!
anniversaire aujourd'hui. Oui. On va donner un nom. Oui. Quel nom tu veux donner? Quel nom on va lui donner? Tu peux choisir, c'est ton anniversaire aujourd'hui, tu as le droit de choisir son nom. Araignée. Il y a déjà quoi dans ma maison. Araignée. Et ben voilà, c'est décidé. Le nom de la tortue, je crois que c'est araignée, vous êtes. Et j'ai une tortue qui se rapproche de moi, attention. Salut. Est-ce que vous savez, les tortues boivent de l'eau par le nez, pas par la bouche. Par le nez. Salut toi. Attends, je vais la café en plus. Salut. Je vais la café. Attention. Café. Non, tu t'es. Oh là là. Alors, notre guide nous a dit qu'il y avait une vieille tortue de 110 ans qui s'appelle Domino. Justement, toute la famille en train de partir voit Domino tout de suite. Quoi. On va tout de suite la voir et essayer de voir si on peut la caresser. Je ne sais pas si on a le droit de toucher Domino, mais on va voir. C'est assez impressionnant ici parce qu'il y a des tortues partout. Et si vous ne regardez pas bien, j'ai l'impression que moi, ce tortue, tout est raté, mais une roche, etc. C'est immense et il y a énormément de tortues de toutes les tailles possibles. La plus vieille tortue de Maurice. Alexine, tu as vu? Aïe, j'en ai écrasé le caca. Oui. Est-ce que c'est nice de s'asseoir à côté de caca là? On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Tu as vu la plus vieille tortue qui est là-bas? Regarde, la grosse là-bas. Elle est jolie, hein? Elle est top. Qu'est-ce qu'on fait? On continue notre visite? Oui. Allez, on continue notre visite. Sommeil, elle est très fatiguée. Et là, quand on a caressé, il y a vu sa marraine, son jeu, elle est rouge quand elle dort. Ben oui, ses yeux sont rouges parce qu'elle dort, elle est fatiguée. Ben, des enfants, là, comme si, puis bien suivre ce qui peut arriver. Là, j'ai vu les yeux de chamarelle, c'est rouge, elle est en train de dormir. Donc, nous laissons chamarelle dormir. Allez, les copains, on continue. On continue. Un peu la folie aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'enfants autour de nous. Mais concentrons-nous sur l'iguane. Allez. C'est bizarre, non? Mais non, c'est bizarre. Tu veux un iguane comme ça à la maison? Adrien, on a une demande, là, il veut un iguane comme ça à la maison. Je sais pas comment tu vas faire ça. Charlène, je sais pas comment tu vas faire aussi. Je disais que la vanille ici, c'est pas que pour les enfants. Bien sûr, on est là pour l'anniversaire d'Alexine qui a 5 ans, mais c'est aussi pour les adultes. On a vu des couples, par exemple, qui sont en vacances. Nito Chalène, ce cousin, qui te fait visiter justement ce dernier jour vacances, Audi. C'est vraiment pour tout le monde. Et si vous n'avez jamais vu ces animaux-là, et ben ça vaut vraiment le détour. Là, on va faire une partie du parc. On va partir couper le gâteau juste après. Et puis, on va laisser la famille profiter du parc et nous, on va se sauver, on va partir. Et voilà. Bon, ben, continuez. Ils mangent super bien. Et ils mangent aussi les enfants qui sont méchants. Ah non! Ah non! Les crocodiles mangent les enfants qui sont méchants. C'est vrai, ça? C'est vrai. Qui est-ce qui est méchant ici? Alexis. Alexis ne veut pas lâcher ma main comme si vous le dites. Non, c'est bon, moi je suis gentille, c'est bon. Est-ce qu'on est prêt à aller voir la petite ferme? Oui. Oui? Tu l'avais quand l'école était à faire avec le crocodile. Il a bougé. Il a bougé, c'est vrai? Quand tu as fait la photo avec le crocodile? Moi, j'ai dit qu'il s'appelle Grosse Chaussure. Il s'appelle Grosse Chaussure? Oui. Vous pouvez gagner un banon pour un crocodile à Lucas, Grosse Chaussure. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans la tête des enfants, mais c'est comique. C'est vraiment comique. Allez, on va faire un petit tour à la petite ferme. Allez, suivez-moi, on y va. Aïe, Eliane, Pistache et Zoulou.
C'est ça le nom, les petits poneys. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, Alexime va faire en premier. Oh là 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 là! Est-ce qu'on peut applaudir? Ouais! Bravo Alexime! Grand garçon! Trop beau! Trop mignon! C'est trop 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 mignon vous êtes! Du tout? Ah mais tu as été super courageux. Toi tu vas faire Abel, c'est ça? Oui, Abel. Allez, toi, chacun son tour, mais oui, vous allez faire vous aussi. Oh, Alexime! Je suis trop contente pour Alexime parce que c'est sa première fois vous êtes. Il a été hyper courageux. Il y a tous ces petits copains qui disent « Moi aussi, je veux faire, moi aussi, je veux faire. » À savoir que dans la petite ferme, il n'y a pas que le pony ride. Il y a également un petit jardin d'enfants. Il y a plein d'animaux, des poules, des petites brebis, des ânes, des sangliers. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et on peut faire aussi des animal feeding ici. Ils auront des petits sachets pour en donner à manger. Bon, ben, ça quand même se trouve fait pony. On donne à manger aux animaux. Oh, waouh! Regarde Snowy, regarde Alexime. Oh, il est trop mignon. Oh, mais c'est tout doux. Il est doux, regarde. Mais lui, c'est un orphelin. Oh, est-ce qu'on peut le prendre? Est-ce qu'on... Ah, yo, j'ai peur. Ah, comment je vais le prendre? Oh, waouh, c'est trop mignon. Je vais l'emmener à la maison tout de suite. Est-ce que tu veux le caresser? Ouais, tu peux? Oui, qu'est-ce qu'il mange, lui? Qu'est-ce qu'il mange, lui? Eh bien, on va nous dire qu'est-ce qu'il mange, là. Ah, Yous. Et il est marré de zou. Ah, ok. Effectivement, ça ressemble à de la paille. En même temps, c'est tout à fait normal. Ah, Yous, mais toi, si tu veux toucher Snowy? C'est trop mignon, vous êtes. Est-ce que tu veux l'emmener à la maison? Mais on n'a pas le point. Question piège. C'est trop mignon. Est-ce que tu veux toucher Adrien? Regarde. Oh. Trop mignon. Deux mois? Et vous? Deux semaines? Ah, mais il est grand, non? Maniche n'a pas pu résister. Maniche, ça va? Wow! Il mange mon labob. Tu es bien vu, Amélie Lacaze, à dire la vérité. Tu veux la manger comme moi, la cam, ou un petit lapin? Alors, vous êtes, vous savez, on a eu des paquets pour donner à manger aux animaux. Est-ce que vous voulez donner à manger aux animaux? Oui! Ouais? On va donner à manger aux animaux? Oui! Allez, chacun attrape un petit paquet. Tu prends un paquet, mais il faudra partager avec les copains. D'accord? Ça sent un peu bizarre. Tu vas attraper un petit paquet toi ici? Allez, un petit paquet pour toi. C'est pas comestible, ça c'est pour nous ça ou pas un petit gadjak ça? C'est pas un gadjak pour nous ça les copains, non. Allez, suivez-moi, on va donner à manger de l'autre côté aux brebis. Bye bye Snowy, on part. Bye bye Snowy, on va donner à manger. On va donner à manger. Venez, 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 venez. Alors là, vous mettez un petit peu dans votre main. Et puis vous allez donner à manger. Alors l'équipe qui appelle justement. Oh, tous les animaux qui arrivent, regardez. Oh là là, oh là 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 là. À la ferme, vous êtes, on sait pas où regarder en fait, à gauche, à droite, devant, derrière. Et regardez, il y a des petits cochons, des bébés. Je vais mettre un tout petit peu ici. Je vais mettre un tout petit peu ici. Je vais envoyer pour maman déjà qui est là.
et ces tout petits qui sont là-bas. Et je sais pas qu'est-ce qu'un coq fait dedans. Mais je sais pas, mais il s'est faufilé. Alexis m'a beaucoup de premières fois aujourd'hui pour son anniversaire de 5 ans, hein, la vanille là. Tu peux tout ce que tu veux. Tu veux l'attraper ou tu veux juste le caresser? Tout doucement, t'inquiète pas, il va bouger un tout petit peu. Oh, trop mignon! Ça fait bisous tout? Oui. Ça fait bisous? Allez, je me reprends. Oh, attention, il bouge, Marie, beaucoup. Ah, si vous êtes, mais c'est un tout petit bébé. Est-ce que tu as aimé ta petite visite? Tu as vu beaucoup d'animaux aujourd'hui. Tu as fait du poney, tu as donné à manger, tu as attrapé un petit lapin, tu as vu des crocodiles, iguanes, cerfs, tortues. Est-ce que tu es prêt pour une petite surprise maintenant? Oui. Ouais, c'est ton anniversaire oui. aujourd'hui, pas vrai? Allez, bah, y a une petite surprise qui nous attend à côté de l'insectarium. Allons-y tout de suite, après la nucoscosée vous êtes. On y va? Allez, on y va, go, viens. Il observe, il regarde tout ce qu'il y a. Le thème, c'était Black Panther parce que c'est son super-héros préféré, vous êtes. Merci à Coca Sprite qui a tout organisé. Et on va voir un petit peu si on peut faire le gâteau tout de suite. Oh, il est déjà là, il est déjà installé. Oh, waouh! Allez, il va mettre un costume. Trop bien! Mais un petit sourire. Un petit sourire. Bien, Figuel, bien sérieux, c'est lui. Des super-héros et tout. Waouh! Black Panther est parmi nous, vous êtes, regardez. Wow. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Alexis. Happy birthday to you, Alexis. Happy birthday to you. Allez, je vous dis pas de la terre. Alors pendant qui, ben on a fait une photo d'ailleurs parce que bien sûr il y a photo avec les petits, les grands parents, etc. On a Sarah de Cocasse Picnic, c'est elle qui a tout organisé. Nous nous sommes un peu plus bonnets d'ailleurs, petit peu termine setup. Tu as respecté le thème à 100% et c'est juste magnifique. Tu travailles avec ta maman, tu nous l'as dit un petit peu plus tôt. Et, ben Cocasse Picnic existe depuis 2020. Si les gens ont envie d'une super déco, vous faites un peu de tout et où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, ils peuvent nous contacter sur notre page Facebook et Instagram, sur Cocasse Picnics. Et ils peuvent aussi nous appeler sur le 57 16 19 81. Ah, 57 16 19 81 pour Sarah. Et vous faites tout type de déco, mariage, anniversaire, pour les petits, pour les grands?
Tout. Tout et aussi, on fait le catering aussi. Catering aussi, c'est pas vrai? Yes. Avec papa, lui, il fait paella, etc. Ah mais oui, parce que papa, il est là aussi, hein. Attention. Papa, il a coucou papa. Comment ça va? C'est papa, maman et Sarah. Papa, maman et Sarah, ben voilà, si vous voulez supporter un business familial 100% local, et ben contactez Sarah et vous allez voir, elle fait encore beaucoup, beaucoup plus gros que ça. Aujourd'hui, c'était relativement, on va dire, short notice, parce que c'est vrai qu'on t'a contacté un petit peu à la dernière minute, etc. Mais tu as fait un super, super, super job. Franchement, merci beaucoup. Et on est ravis de t'avoir parmi nous, vraiment, merci. Merci. Et ben on se revoit très bientôt. À bientôt. Il y a d'autres anniversaires encore pour faire un vœu, là, nous prendre contact encore avec toi. Yes, please. Allez, bon, ben, nous pouvons faire ça, nous pouvons faire, nous pouvons soif, nous pouvons revenir une tranche gâteau. Allez, go. Alors vous autres, si vous n'êtes pas parents... J'ai beaucoup chuchette. Je dis pas. Oui. Non, allez me lever. Si vous n'êtes pas parents, ce que vous devez comprendre, c'est que quand il y a une piñata, c'est la jungle. Chacun pour soi, pousser ici, là-bas, ramasser. Est-ce que vous avez eu beaucoup de bonbons? On va voir un petit peu. Moi, j'ai ce que vous avez eu. Tout ça, vous avez eu là. Oh là là, get the trouvaille là. Hein. Tout le monde s'est fait que vous êtes ramassé. Tous les petits bonbons qu'on a pris ce matin, c'est super. Tout ça là. Tout ça, c'est pour moi. Tout ça, c'est pour toi et Alexim. Tu as eu toi? Wow. Merci en tout cas à Funcasia qui nous a offert la piñata aujourd'hui. Comment vous avez trouvé? On l'a déchiqueté complètement, mais on a pu récupérer tous les petits bonbons à l'intérieur. Bon, il arrive bien pour ce gâteau. Arrête que c'est à terre. On a fait couper là-bas. L'heure de la dégustation a sonné. Allez, go. Oh là là, oui, 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 ça amène Moussupertane là. Moussupertane, ça gâteau là, passe avec nous là. Merci beaucoup. Alors, je suis avec la personne qui a fait le gâteau, Tessa. C'est toi qui as fait le gâteau. Explique-nous un peu comment tu as fait ce gâteau là, quand tu as fait lié, etc. Alors, bon, c'est en même temps. Un bout de gâteau est tombé. Attends. Alors, toute la journée d'hier? Oui, j'ai commencé hier. Donc, toi, tu es la tati, mais la tati pâtissière ou pas du tout? Pâtissière, oui. Tu es pâtissière? Non, non, je fais pour mes amis, pour la famille. Eh, hey, me fais goûter le gâteau là, tu lances ton business. Hein. Franchement, c'est super, merci, super bon. Merci. Ça fait toujours plaisir quand il y a un membre de la famille aussi qui participe. Merci d'avoir emmené le gâteau. Merci. Franchement, ça fait plaisir. En plus, un joli gâteau. Hein. Toi-même, tu as décoré et tout? Oui. Mon anniversaire, c'est le 16 octobre. Je dis d'accord. Ça, je dis. Ok? Ok, merci. Je continue à manger. Allez, allez. Ok, c'est bon, je suis là. On dirait Blippi, vrai même, là, non? Ça, il est pégété qui donne un sac, là, attention! Alors, on a trois petits trucs pour toi. On a les gens qui ont l'habitude de travailler avec nous, nos partenaires, qui ont voulu te donner plein de petites choses. D'abord, tu as eu deux tickets de cinéma de la part de Thierry pour aller au cinéma. Est-ce que tu es déjà parti au cinéma? Tu es déjà parti, est-ce que tu aimes? Ouais, bah, tu iras voir ton film préféré. Merci encore à Thierry Mauriches. On a un petit muffin trop sympa de la pâte de Vidal et Café. Et on a deux petits linges trop cute pour toi. En mode super héros justement. Pour toi, pour tous les jours si tu veux mettre. C'est Gémeaux qui t'offre un petit t-shirt et un petit short. Petit cadeau vous êtes. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux avoir un petit bisou? Je peux avoir un petit bisou? Il fait ouais, ouais, ok, allez, ouais, un petit bisou. Vous vous rappelez, au début, il avait dit non, il va pas me faire un bisou, et ben voilà, j'ai pu avoir mon bisou quand même. Vous êtes, ça nous a fait hyper plaisir d'organiser aujourd'hui l'anniversaire d'Alexim. Bana, bien sûr, pour continuer. Oh, tu as vu? Un gros muffin, blueberry muffin pour toi. Tu veux mettre dedans? Allez, on ramasse dans le petit sac. Est-ce que ça t'a fait plaisir, ta petite journée d'anniversaire aujourd'hui? Ouais? Je suis sûre qu'il va continuer à s'amuser. Alors nous, bien sûr, nous pouvons aller, nous pouvons les banner, profiter en famille. On va arrêter de s'incruster dans les anniversaires des autres maintenant. On va partir, Manish, Salem et moi. Eux, ils seront là, bien sûr, dans le parc encore
Asdelankoen, il est en full là, hein, pour amuser. Le POC, ben, la vanille, justement, Nature POC, est ouvert de 9h à 17h tous les jours. Et là, il y a une promo spéciale, justement. Lit ouvert pour un adulte et un billet adulte acheté est égal à un billet enfant offert jusqu'au 7 janvier. Donc, profitez-en. Alexim, ben, je te fais encore un dernier petit bisou et puis on souffle un petit coup dedans. 1, 2, 3. Allez, bisous. Ben, on se retrouve dans 2 semaines, les amis. Bye bye. Tu vas? Oui, je vais. Sherry, fun to drive.